Maxime Mercier ? Ouais. Police, on a des questions à vous poser. Ah ok, une seconde, j'ouvre. Oh ! Oh ! Putain, l'enfoiré ! Il est plus jeune qu'elle, non ? Et alors ? Sors de là. Allez. Allez, sors de là. Et écoute-moi, tu t'es foutu là-dedans tout seul, ok? Tu vas pas porter plainte pour violence policière. Tu sais pourquoi? Sinon, je t'en colle une. Donc tu maintiens que tu connais pas Élodie Letellier? Alors pourquoi elle dit que t'es un ami de la famille? Eh ben parce que c'est une mytho. Ouais, bien sûr. Et puis Thomas Letellier, son mari, tu le connaissais pas non plus, hein? Aïe! Putain! Tout. Hé, hey, je te parle là, ok? Bon, il est où mon avocat là? En route. On va laisser mariner un peu. Hein? T'as pas faim toi? Si, un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis fait un petit Tupperware. J'espère que Raphaël m'en voudra pas. Non, non, il s'en fout, Raphaël. Moi, il faut que je bouffe, sinon je vais buter quelqu'un. Hop là! On va y aller alors. Oui. Maxime. Il s'agit d'un meurtre, là. Pas d'un vol. Ok? T'en as pour 30 ans, mon gars. Non, mais j'ai tué personne, ok? Ouais. J'ai tué personne! Avec Maxime Mercier. Ah, ouais. Bah, maintenant que tu le dis, ouais. Ok. Donc Maxime Mercier aurait la maladie de Villebrand. D'accord. C'est vrai que sur le moment, je comprenais pas pourquoi il saignait autant du nez. Il s'est juste planqué dans une poubelle, hein. Alors, Maxime Mercier. 15 fois que je lui dis que j'ai pas tué ce type, putain. Thomas Letellier, il voulait plus payer, puis tu l'as buté. J'ai rien fait, j'étais au taf, bordel, j'étais au taf. Eh ben, je te crois pas, ça marche pas ton truc. Tu sais, moi, on peut rester là toute la nuit si tu veux, moi ça me dérange pas. On a tapé un peu de blé à sa femme. Pardon ? On a tapé un peu de blé à sa femme. Ah ! Ah, voilà ! Ah, voilà, donc t'as voulu le racket. Attends, c'est qui on ? Quoi ? T'as dit on. Non mais j'ai dit ça comme ça, c'est moi, c'est je suis fatigué là, c'est moi tout seul. Bon, il est où ton frère aujourd'hui? Je sais pas. Hé, hey, tu vas pas recommencer, hein. Depuis combien de temps tu l'as pas vu? Hé hey! Putain, depuis qu'il a promis de m'emmener au Costa Rica, d'accord? Hein, il comptait ouvrir un resto avec son pote, c'était la veille de son départ, il y a 10 ans. Tu l'as plus jamais revu depuis? Non. Il m'a abandonné, ok? Comme ma mère. On n'est pas très famille dans la famille.